H2Motronic a annoncé son intention de préparer une moto à pile à combustible à hydrogène appelée H2 Compact, d'ici le printemps 2022. L'annonce est arrivée, car l'attention des médias s'est concentrée principalement sur le développement des véhicules électriques. Alors que les véhicules électriques deviennent monnaie courante parmi les scooters, H2Motronic a annoncé son intention de se concentrer sur une moto à pile à combustible à hydrogène. Le H2 est considéré comme une source alternative viable de carburant pour alimenter les motos. Cela pourrait devenir l'une des nombreuses orientations importantes à prendre dans les véhicules de transport personnel, alors que les pays s'efforcent d'atteindre les objectifs de l'accord de Paris et d'autres objectifs climatiques. Le Conseil international pour des transports propres a déterminé que les véhicules électriques et les véhicules à moteur H2 joueront un rôle à cet égard. Des entreprises telles que H2Motronic s'efforcent de continuer à développer cette technologie, afin qu'elle puisse être déployée pour une utilisation grand public, et réduire les émissions de carbone des routes du monde entier. Plus tôt cette année, Mobion a attiré l'attention sur son scooter électrique TGT H2, qui a atteint une autonomie de 248 miles. H2Motronic pousse sa moto à pile à hydrogène encore plus loin avec un modèle de course. H2Motronic, de France, travaille avec l'équipe de course Tecma, pour le développement de la moto de course H2 Concept. Le but de ce modèle est de démontrer le vrai potentiel que H2 a à offrir ce type de véhicule. La collaboration entre les deux sociétés a débuté en 2019, lorsqu'Emmanuel Essenot a pris ses fonctions de CEO chez Texis Group, la maison mère de H2Motronic. Essenot a quitté Renault Sport Technologies, où il a travaillé pendant 8 ans, après un passage de 2 ans chez McLaren Applied Technologies et 5 saisons dans l'équipe de Formule 1 de McLaren. Cela lui a permis d'acquérir une compréhension unique de la performance. Comme beaucoup, nous nous sommes concentrés sur le tout électrique, en particulier pour les motos, a déclaré Philippe Louer, président du groupe Texis, lors de la discussion sur la moto à pile à combustible à hydrogène. De là, l'entreprise a rencontré des responsables du pôle véhicule du futur. Nous avons beaucoup discuté et sommes arrivés au rendement en hydrogène. Merci d'avoir choisi hydrogenefuelnews.com. Ne manquez pas votre accès gratuit à notre e-book exclusif, inscrivez-vous dès aujourd'hui. Suivez cette histoire et plus sur HFN.